Je suis avec Franck Cheval et puis Maxime Ruiz qui ont commis le maxi super ouvrage qui est ici. Je suis hyper content d'avoir Franck Cheval ici. C'est la quatrième fois que j'organise plutôt. Et enfin, en 2022, je suis arrivé à le faire venir, donc je suis hyper content. Avant qu'on parle de ton livre, j'allais dire Francis, c'est l'absus intéressant. Franck, comment est-ce que tu trouves le conservatoire de Puteaux ? Ben, très confortable, hein. Bah ouais, magnifique, magnifique endroit. Ouais. Non, belle installation. Belle installation. On et Maxime Ruiz, photographe de son état, il trouve ça comment plutôt aussi ? C'est très lumineux et ouais. Le plateau repas est super bon. D'accord, ben voilà, chacun ses critères, écoute, c'est très bien. Je me rappelle qu'on avait fait une interview, ben, c'était à Montrouge, alors est-ce que c'était au printemps ou c'était à l'automne, je ne me rappelle plus. C'était ce printemps. Printemps, oui, voilà. Au mois de mars. Ouais. Et donc là, le livre, il est enfin sorti, on va vous le montrer tout de suite. Redis-moi, Franck, quand est-ce que l'aventure, quand est-ce que l'idée a commencé de faire cet ouvrage ? C'était ce siècle-là ou le siècle dernier ? On appelle ça la nuit des temps, tu vois. D'accord, ok, c'est il y a tellement longtemps. Okay. C'était avant qu'on ait perdu la mémoire. Ouais, ok. Mais avant l'Internet. Ouais. Oui, c'est ça. Non, on disait 14, mais c'est totalement arbitraire. En fait, les photos, il y en a qui ont presque de l'époque du premier livre, de 96. Oui. Ouais. Et puis l'écriture, peut-être 4-5 ans, allez, où ça s'est un peu mis en ordre dans nos têtes. D'accord. Et donc là, maintenant que l'ouvrage est sorti, donc il s'appelle Le Chemin de Luthier, il coûte 60 euros, vous pouvez le commander à Franck, j'allais encore dire Francis, décidément, Bicos Francis Cabrel, hein, pour ceux qui n'avaient pas pigé la référence, sur le site de Franck. Donc est-ce que ça fait quoi comme effet, là, quand on a comme ça le bébé entre ses mains, Maxime? Qu'est-ce que tu en penses de ton bébé? Votre bébé. J'avoue que j'étais super content. Quand je l'ai vu, j'étais super content. D'accord. Parce que ça ressemblait à ce qu'on avait fait. Quoi. Il n'y avait pas d'écart. La vision, ça collait. Non, tout était. Et puis c'était la fin quand même. Enfin la fin. Ça fait, je ne sais pas, 15 ans peut-être qu'on travaille d'une manière plus ou moins intense. Mais c'est vrai que les 5 dernières années, on a travaillé comme des fous. Très bien. Et c'était une super, super chouette aventure, quoi. On se dit, voilà, on a fait quelque chose qui a du sens, qui est... Quand on sera mort, voilà. Ça sera un beau document qui restera. Voilà. Non, ça transmet, en tout cas, l'amour de la vie, tout bêtement. C'est-à-dire, parce qu'à travers l'amour de la lutherie... Ça, c'est une belle formule, ça. Bah oui, mais ah, c'est... Oui. Franck Cheval. C'est beau. Et donc Franck Cheval, il confirme ça ? Ben oui, en tout cas, l'aventure n'est pas finie parce que faire le livre, c'était une chose, mais maintenant le distribuer, c'est encore pire. Ouais, hein. Ouais. comme boulot. Tu pensais que tu avais terminé le boulot, mais là, il faut prendre ton bâton de pèlerin. C'est encore plus intense, d'où ma présence ici, quand même. Excellent. Dans ce lieu magnifique, mais où on est là pour maintenant le faire connaître, évidemment, et que les gens puissent l'obtenir. Voilà, donc tu commences ta tournée triomphale ici à Puteaux, encore une fois, ce dont je suis fort aise. Et donc tu seras Issoudun, évidemment, parce que tu es un pilier d'Issoudun. Donc à la fin du mois, donc on pourra aller venir acheter le bouquin, se faire dédicacer et par Franck et par Max. Toi aussi, tu dédicaces, Max? Oui, des fois. D'accord. Quand Franck il m'autorise, hein, parce que d'accord. Des fois il laisse pas de place. Non, mais... quand c'est des jolies filles, il me dit Max, tu peux aller me chercher un café ou... Non, cela dit, on n'en a pas beaucoup. Non. Ouais, d'accord. Ça manque de jolies filles qui viennent acheter des bouquins. Je parle des filles. C'est vrai que c'est un milieu de mecs. C'est il y a trop de bonhommes. J'aurais dû faire de bonhommes vieux et barbus. Et chauve. Chauve. Moi, c'est le contraire, tu vois, chevelu, mais pas du tout barbu, sur le sens inverse. Là, parce que il y aurait zéro audience. Voilà, et si vous n'avez pas l'occasion donc d'aller à Issoudun, et ben donc rendez-vous sur chevalguitars.com, hein, c'est ça ? C'est ça, oui. Il y a le bon de commande, vous remplissez tout ça, et c'est virement ou chèque, je dis pas de bêtises. Ouais. Et puis vous recevez ce magnifique bouquin, encore une fois. Montre-le un peu plus haut. Voilà, et regardez l'épaisseur du bébé. Max va prendre celui qui est. Attention, vous allez avoir même vu. Montre-le sur la tranche aussi. Je le mets comme ça. Voilà, oh, regardez comme c'est beau. Et regardez, nous on est balèze, hein. Alors, vous imaginez le format du bouquin, comment il est big. Hein. Donc 2,7 kg. 2,7 kg, d'accord, 2,7 kg à la naissance. Comme un bébé. Magnifique, voilà. Regardez. Aïe. De la paire en guitare. Et moi, j'ai eu plusieurs abonnés de la chaîne guitare qui l'ont acheté et qui l'ont dévoré. Et j'étais mortellement jaloux puisqu'ils l'avaient déjà depuis plusieurs semaines et que moi, je ne l'avais pas encore lu. Donc voilà. Super. Et voilà.
Et donc, c'est, oui, on est très content aussi de l'imprimeur qui s'est occupé du, ouais, du livre. Bah ouais, parce que si t'as pas un bon imprimeur, après t'as un truc qui est armoire. Respecté, voilà, le travail de photo de Max et son travail de montage de photos. Et non, c'était pour ça, on était ravis aussi de ça, quoi. D'accord. Donc les guitares, les photos ressemblent aux guitares et les photos ressemblent aux photos. Oui, ouais, ils subliment un peu les guitares. Ouais. Mais je vais pas le dire. Faut pas. Ça, c'est le photographe. Super. Franck, encore une fois, j'étais ravi de t'accueillir ici à Puteaux. Ouais, on se recroisera Issoudun. Et puis bravo pour la sortie de ce magnifique livre, alors. Merci, merci. Allez, bye bye. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaineguitare.com.